Ah, et je crois que je viens de trouver ce que je cherchais. Et donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Sea of Thieves. Ah, par contre, oui, oula, oui, technique du cercle. Aïe, ça va pas fort du bien, ça. Technique du cercle magique. Brûler, hérétique, brûler. Couler, hérétique, couler. Au secours. Oh, feu du sloop. Est-ce que ça prend vraiment? Merde, je peux bouler même. Ah oui, j'en ai pas pris. Ah oui, par contre, faudrait peut-être que je remette l'interface. Ce serait plus simple. Donc la technique ultime, en fait, c'est ça. C'est les pins, je gère très très mal. Quand vous tournez en rond, regardez-les. Regardez-les, débellus. Ben oui. Ah oui, vous pouvez pas tout retirer. Ouh là, ça semble vouloir fermer ça. Cachons-nous. Ah, c'est pas moi qui l'ai pris. C'est pas moi qui l'ai pris, mais bande de cons. C'est nous ça. Aïe. Mais on rentre pas parmi les gens. Impoli. Ils vont me faire tomber ces cons. Touché. Touché. Ah non merde. C'est lui qui prend, c'est lui qui prend. Ouh, pas c'est moi ça là. je suis protégé par un sloop squelette, c'est n'importe quoi ce. Ah oula, j'ai pas vu ça. Je suis de la boue, ça la fout mal. Ouh, ouh. Non mais. Merci. Ah ben voilà, c'est parfait. Ah marche bien, ça marche bien. Pas combien j'ai de boulets de canon, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs j'ai fait une île et demie avant de commencer cette vidéo. CF épisode précédent. J'arrive à taper sous la ligne de flottaison et vu comment il est placé, c'est un peu compliqué. En plus ils sont en feu, ils s'éteignent même pas les mecs. Mais ils prennent même pas la peine de s'éteindre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te dise? Aigu. Et l'autre galion qui est perdu derrière. Est-ce que je peux viser le gagnant là? Est-ce que ça touche? Presque. Ah oui, cool, bon, ça c'est fait. C'est un boule enflammé, donc ça va. Je fais très attention à ça maintenant. J'ai coulé un nombre de fois incalculable à cause de ce genre de conneries. Fais attention, Maurice. Fais attention. Ah, par contre, j'ai jamais retrouvé les trésors. Hein, ça, en tournant en rond, c'est le seul problème. C'est que tu survis. On tient en solo, mais les trésors, chop week. Et donc oui, c'est les nouveaux squelettes apparemment. Donc j'ai 13 boulets, 15 boulets de canon, 35 boulets de canon. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Merde, les trésors ils sont là. Oh merde. Oh les boules. Faut que je repasse. Faut que je repasse. Beaucoup trop bas. Ce tir est... Ouais, bon. Pas de tirer, t'as pas beaucoup de boulets de canon. Attends plutôt d'être... Dans l'axe. Qu'est-ce que... Pour choper les trésors. Si j'arrive à choper un coffre, je me taille. Ah, y'a... Putain, y'a un sloop. Oh, y'a un sloop de l'arnaque. Oh. c'est bon. Bonjour, monsieur. Ça tourne. Et ça tourne.
Bonjour. Bah mais non, mais il veut pas se remettre d'appoint, moi je cherche très. Je cherche le coffre du sous. Ça peut pas être très loin d'ailleurs. J'ai tellement rien à carrer de l'autre. Je suis passé dessus tout à l'heure. Bon, il est con quoi. Moi je cherche un truc. Le pinch, par contre, voilà, je vous l'avais dit que les pinches, je savais pas gérer. Ça fait 2 ans que j'ai vu ce problème-là. Ça fait 2 ans que je me frite avec des navires squelettes de cette manière-là. Ça fait 2 ans qu'ils ont toujours pas trouvé de parade. Non, mais au bout d'un moment, je vais me mettre en ligne droite, pas possible. Je vais devoir me mettre en ligne droite. T'en fous de ma gueule. Change là. Bon, voilà, j'ai vu, je les ai vus, les coffres. Ah, c'est loin. Pendant, il coule. En attendant, les débilus, ils coulent. C'est la touche. Touche. Mais je crois que j'ai putain de squelette. Touche. Elle touche pas. Mouvement naturel de la part d'un vaisseau, il fait un angle à 90. Non, ça va. Je cherche toujours mes coffres, par contre. Vous voyez ce qu'ils sont. Putain, on les voit pas, les coffres. Il les a peut-être trouvés. C'est jamais, ils nous regardent. Le sloop là-bas, il nous regarde. Oups. Ah non, ça va. Mais non, ça va. Nananananere, nananananere. Je me le prends en pleine gueule. Écoutez un peu. Chaque fois que je fais une Mario, je m'en prends en pleine gueule. Oh, ils m'ont fait beaucoup de dégâts. Hein. Ils m'ont fait 3 trous. C'est à 2 navires. Ah, c'est les combats, c'est épique. En plus, ça m'a permis de remplir mon saut. C'est parfait. Oups, non, descend. Allez. On mange le poisson. C'est plaisant. Vous les mangerez pas. Non, ça va, ça va, ça va. Je peux leur jeter à la gueule. Nya. Saloperie. Mon vaisseau va bien. Mon vaisseau va bien. J'ai juste plus de boulets de canon, mais sinon tout va bien. Ah, c'est lui qui prend. Pauvre vieux. Désolé, t'es pas sur mon axe, papa. Oh, coco. Je vais pas te tirer dessus. Oh, dommage. C'est joli. Oh, je lui laisse le trésor, j'ai rien à péter. Joli, il s'est bien placé. Moi, je tourne. Bon, tu bouffes, hein. Enfin, tu ou vous bouffez, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais t'as... Diversion? Ah, par contre, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Ah, le lag. Le lag total. Ah, bonjour. Voilà, ce jeu est possédé. Ce jeu est possédé, je vous avais prévu. J'ai 20 boulets de canon. Je dois gérer un galion squelette. Et un mégalodon. Ah, par contre, je m'arrête. Je suis dessus, je m'arrête. Bon, le mégalodon, c'est pas la merde, s'il te plaît. Non, tu fous pas la merde. C'est ça. Je vais nager avec un mégalodon. Bonne idée ou pas? Bonne idée. Nageons avec un mégalodon. Très très bonne idée. Ah non, pas bonne idée du tout. Je crois que j'ai reconnu ces bruits. Barreau de nous. Like 2. Let's go. Qu'est-ce que... Let's go. Barreau de nous. Qu'est-ce que c'est, Starna? Qu'est-ce que cette merde? Moi qui voulais récupérer les corps. Je m'en prends plein la gueule. De sloop, moi j'ai pas de boulet,
Démerde. Démerde-toi, Maurice. J'ai 4 boulets de canon, je suis tellement dans la merde. Et j'ai même pas réussi à faire un seul coffre en plus. Quelle arme. Oula, oh oui, je coule. Je coule. Secours. Un mégalodon, 2 navires squelettes. Je vais bien, tout va bien, c'est la panique. Si par malheur il y en a un de nous qui tire sur le mégalodon, on est mort. Non, j'ai pas tout dans la coque. Par contre, oui. Ah, au cas où. Bon. Merci. Ça me tire dessus de je ne sais pas où. Non, ça va. Non, ça va, je vais bien, je sers de cible. Ah merde, je les ai encore loupés. Ah, il y a le mégalodon en dessous. Enfin, ça brille violet, je pense que c'est le mégalodon. Je sais pas trop. Quel merdier, mais quel merdier. Ah, je veux pas tirer sur le mauvais, ça me fait chier. Il est où? Ah, dommage. Je fais hyper attention à ce qu'il me reste comme boulet. 9 ici, 2. 11. Je peux servir. Ah, pardon. Sorry. Pardon, je t'avais pas vu. Ça va? J'espère qu'il verra. En fait, dans les combats comme ça, j'ai pas le temps de toucher la... les commandes. Ok, je me casse. Ah bah je me casse, moi je suis mort. Prenons du stock, barrons-nous. Mourons. Courage, mourons. Dernière action héroïque, j'ai plus rien. Dernière action héroïque, que dalle. Plus rien. Coulé, je suis en train de... Canon. Ah, je tire à l'arrache, pas complet. Mes derniers boulets de canon. Mégalodon, t'es où? Bon, moi j'ai coulé. Bon, voilà. Je m'en doutais tellement celle-là. Bon, mais voilà, c'est des navires qui utilisent des boulets de canon enflammés. Bon, bah tu coules, oui ou merde, moi j'ai une barrée. Un peu trop le merdier par ici, j'ai autre chose à faire. Parce que cette mission était consacrée à ça, j'en ai coulé deux, quand même. J'ai coulé un gars. Oh merde, bon, mais j'y vais à pied. Fait chier. Je sais pas où est l'avant-poste le plus proche, mais j'y vais à pied. J'ai trouvé le trésor. Ça va être très très long. J'avais déjà fait la moitié de la map à la barque. Maintenant, je la fais à la nage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sens tellement mal, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Piquons le trésor et le bordel. C'est bien. C'est vrai qu'il vaut le coup. Discret, on va tuer. Oui. Actualisons alors le trésor, comme ça, hop. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Excuse, rien à carré. Oh, je m'en fous. Non, là, il y a 2000, il y a même pas 2000. C'est niet, je me casse. Ah, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est l'arnaque, ce mise à jour. Il y a un truc à côté. Il y a un truc à côté de Maurice. Donc, soit je prends Maurice, soit je prends le tonneau. Ils sont fous. Prends le tonneau. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin pour les rejoindre à la nage. Ouais, dommage. Non, je les aurais rejoints avec le tonneau à la nage. Ouais, trop bien, mais ils sont trop loin. Mais ils vont me sommer. Attends, c'est pas la peine.
Par contre, si je suis à côté, je vais respawn. Ah, et là, je crois que je suis au bon endroit. Je dois pas être loin de chiffre avec B, là. Salut. Ah, déboulé. On va piller des îles avant de partir. C'est plus sûr. Où est mon bateau? Ah, il est là. Putain, j'avais payé perdre son bateau sur 3 mètres carrés. Par contre, ça, c'est chiant. Ça, c'est un truc que je retiens énormément. C'est que certains développeurs écoutent la communauté. Mais des fois, faudrait pas. Parce que là, c'est très chiant. Tu veux maintenir le fight? Regardez où je suis. Je suis sur All Faithful Island. Le fight, il était vers Wanderer Refuge. Il était par là, le fight. Puisque j'ai passé Wanderer Refuge, j'ai fait le tour, ou Plumber Valley, entre les deux. Il était par là, le fight, en fait. Donc là, là c'est pas la peine. Là, c'est niat. Par contre, Shipwreck Bay, qui est par ici, il est où? Je suis sur Scurvy Island. Merde, c'est pas loin. Je sais que c'est pas loin. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais comme j'ai un sens de l'orientation d'une... Comment dire... Qu'est-ce qu'un sens de l'orientation de merde, à part une moule alcoolique, je ne vois pas. Shipwreck Bay, oui, c'est bien sud, en fait. Il y a un truc sur Shipwreck Bay, on va aller voir ce que c'est. J'espère que c'est bien. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu de la merde. Bon, il y a un tonneau, il y a des flammes. C'est bien, hein. C'est bien. Je le reproche pas. Mais bon. Mais bon. Qu'est-ce que la batterie est totalement chargée? Oui, merci l'iPhone, je sais. Enfin, totalement chargée. Non, c'est pas le bon mot. Si tu le plains, toi. Toi là? Te planques pas, pionce, je sais pas. Fais un truc. Fais un truc rigolo. Je sais pas, t'es un pierre. T'es un pierre squelette en plus. Et donc, oui, attendez. Ah, au secours. Ah, on peut faire ça. Ah, ça c'est bien par contre. Je peux charger. Je peux vraiment charger. Hein. Au secours. Oui, c'est ça. Ça c'est bien par contre qu'on puisse choisir les boulets. Ça c'est vraiment cool. Bon, allons-y. Allons récupérer un peu plus de merdier parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai au moins un stock ennemi plein quoi. C'est plutôt cool. Oui, et après, si jamais vous posez des questions sur qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, eh ben, moi, je me pose une question sur qu'est-ce que je suis en train de tourner. Donc, oui, je suis du style à tenter des trucs débiles parce que c'est que ça va pas marcher. Ah, je savais que ça allait pas marcher tout à l'heure, mais bon. C'est rigolo. Faut l'essayer. Et j'en ai coulé deux, avec un sloop tout seul sans munitions. Spectacle ou pas? Ah, mais là, je suis déjà fou. Ah, j'ai manque 5 boulets de canon. Pas d'autres tonneaux sur ce style à la con. Tu sers à rien. Tu sers à rien, lui. Ah non, tu sers pas à rien. C'est... Bon, la quête, elle sert à rien, par contre. La quête, non. Ça, ce serait un truc qui serait cool à faire, en fait. Si jamais vous avez une quête comme ça, vous allez voir. Il y a un autre joueur, tu montes ta quête, prends un screen. Ou je sais pas, où il se fait un plan, ou il dessine un plan, je sais pas. Il faudrait pouvoir se transférer les quêtes. Des quêtes comme ça, des quêtes à la con. Pas les quêtes officielles. Mais les quêtes qu'on vous donne en fait, tu les montres au mec, lui il peut les dessiner. Je sais pas, ou une connerie, je sais pas, ce serait trop bien, ce serait trop classe. Bon après je veux bien qu'on soit dans la piraterie, mais il y a un truc. C'est que les mecs sont tous habillés par... Enfin, change pas d'habit. Je veux bien, c'est dans la piraterie tout ça, mais il faut quand même se changer de temps en temps, je sais pas. Tu restes pas... Tu gardes pas les mêmes habits pendant 8 mois, faut pas déconner. Il y a un petit problème. Bon, après, c'est mieux que ce Division 2, parce que là, il n'y a pas beaucoup de pinch. Dans The Division 2, ils ont tous les mêmes vêtements. Même dans le jeu vidéo, d'une manière classique, ils ont tous les mêmes fringues. Je parle des pinch, hein, bien sûr, ils ont tous les mêmes gueules. Dans The Division 2, vous croisez une équipe de 4 bras cassés qui vient prendre un point de contrôle. Vous avez deux fois la même personne. Deux fois la même gueule, même fringue. Me dites pas, c'est sa sœur jumelle, là ça passe pas. Tac. Ok, Shipwreck Bay, c'est par là. Au plus au sud. Bon, le bateau, là, c'est pareil. C'est clairement, les premiers, ils drop rien. Les derniers, je sais pas ce qu'ils drop, mais je m'en fous. Parce que je suis trop loin. Et surtout, c'est... Faut faire une radia sur 50% des îles.
Quand on est en solo, ouais, c'est ce qu'il faut faire à peu près. Ouais, j'avais pas les munitions, c'est-à-dire que j'étais parti avec 45 munitions. J'en ai pas gâché beaucoup. Le bidon saut. Ça sert à rien. On va te ranger, toi. Oh, quoi que. Tiens, alors. J'ai que celui-là, tambour. Bon, mais. Voyons que je me prenne pas d'île, que je sois sur le bon cap. Ouais, c'est bon. Ça, j'aime bien. Ce genre de cette petite animation, je la trouve très rigolote. Elle sert à rien, clairement. Parce qu'il n'y a qu'une danse, il n'y a que trois mouvements, mais bon, c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'arriver? On est un peu à chahier les bains, ouais. Mes voiles sont dans l'axe, en plus, donc j'ai rien à faire. Ah, mais remets l'interface. C'est injouable sans l'interface. Ah, ils sont là. Oh, merde. Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus loin. Moi, je vais aller chercher Craig B. Ils sont sur ma gueule. Bon, ben, on faut peut-être un détour. On verra bien si je m'en sors. Ah, ça me fait chier. J'ai pas plus de choses que tout à l'heure, à vrai dire. Est-ce que c'est eux, au moins? Pas du tout, c'est pas les mêmes. Démerde-toi. Le vert et bleu, c'est les anciens. Bon, les anciens, j'en ai rien à péter. Et voilà, c'est les nouveaux. En plus, deux galions. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Par contre, je vous parie que je vais me faire couler quand je serai sur l'île. Voilà. Quoi, Cabo? D'où ça tire? Et donc, on a eu un précédent cas de possession du jeu vidéo. 4 navires squelettes, presque d'affilée. Un kraken. Mégalodon. Ah oui, il y a un sloop qui est en train de se faire pourrir, le pauvre. Bonne chance. Ah, mais il est à l'avant-poste. Le sloop est à l'avant-poste. Bonne chance. avec mon sloop, on va rester à l'abri, je crois. on va se planquer. C'est la planquouze. C'est bien aussi. Ah, courage fuyant, citation de pirate. Meilleure citation ever. Ah là, par contre, je réfléchissais, mais je peux pas me faire de café parce que je vais vous rendre complètement sourd. J'ai changé entre gros guillemets de cafetière. Parce que j'ai, en fait, pas un passionné de café, mais j'adore le bon café. Donc j'ai testé un peu beaucoup de cafetières, donc j'ai un peu une Tassimo. Une Tassimo, la Vivi 2, j'ai eu en promotion à 29€, c'est quand même pratique. Et elle est pas chère, hein. Après vous avez, je crois que c'est 160 dosettes à 10€, un truc comme ça. Ou 15€, je sais plus, c'est gros. Assez rentable, hein. C'est intéressant, et bon café. Et surtout, il y a un truc qui est génial avec cette cafetière, c'est qu'à la fin, ça, je sais pas si ça pressurise ou je sais pas ce que ça fait, mais il y a une espèce de vapeur qui sort et ça a l'odeur du café. Et ça vous embaume la pièce du café, de chocochino, de ce que vous voulez. Et au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant, Chococino, c'est café plus chocolat, plus lait. Chococino caramel, vous rajoutez le caramel. Par contre, je vois pas l'île. Ça c'est pas un défaut du jeu, mais j'aime pas cette zone. Elle est grise, elle est moche. Vraiment. Les autres zones, c'est bleu, c'est beau. Enfin, Devil's Roar, on peut dire qu'il fait beau, il fait chaud, hein, au Devil's Roar. Très chaud. Ça brûle un peu. Là, le Devil's Roar avec les flammes, ça va être un enfer. Oh, ça se tente. J'étais du style à, comme un débile, aller sous les volcans dans le Devil's Roar. Ça se tente, mais pas ce soir. Faudrait que je me repose. Et je crois que d'ici peu, faudra que je teste le cross-platform Xbox PC, moi, si ça marche vraiment. Parce que j'ai lu un truc là-dessus qui disait que le cross-platform fonctionnait, et à voir. Donc là il y a un pin, j'allais voir, il va bien se garer. Ce qui est jamais bien gagné avec moi. On va relever un peu les voiles peut-être. Hey merde. Ça touche. Et moi je vais dire que... Pardon, je vous avais prévenu.
J'essaye de me retourner par rapport au micro pour être sûr de pas vous rendre sourd. Je sais pas trop ce que ça donne. Ouvre les fenêtres. Déjà qu'elle est glauque cette zone, s'ouvre pas les fenêtres. Oh, ça raclouille un petit peu sur la quille. C'est un peu le plus dangereux techniquement, mais bon, tant qu'ils ont pas mis un bateau qui coule parce que sa quille est tordue, entre guillemets, qui coule parce que c'est un jeu vidéo. Parce qu'un bateau, un voilier comme celui-ci, vous pétez la quille du navire d'une manière ou d'une autre, vous vous encastrez sur une île, et le navire, il navigue plus. Puisque sur la base, ce que j'ai appris, après dites-moi si c'est vrai, dites-moi si c'est faux, enfin si vous voulez, hein, moi j'impose rien. Donc en gros la quille, c'est cette partie-là, c'est la partie en dessous du navire. Et donc c'est ça qui permet la flottabilité. Donc ça donne une forme assez spéciale au navire, qui va lui permettre de déplacer autant d'eau que sa masse. Masse différente de poids. Le poids, c'est le poids des atomes. C'est le nombre d'atomes donne un poids. La masse, c'est le tout, en fait. La masse, c'est tout le merdier. C'est ce que vous obtenez sur la balance, voilà. Et donc, c'est grâce à la quille que le navire va déplacer suffisamment d'eau pour pouvoir se déplacer. Le problème, si vous tordez la quille, c'est que le navire il pourra plus bouger. Il déplacera pas la même masse d'eau, donc il pourra plus bouger. D'abord on se barre avec le coffre. Ouais. Ça je pourrais le récupérer en passant. Bonjour monsieur, mais vous avez les yeux verts monsieur. Vous êtes un tableau. Est-ce que c'est moi qui suis en train de couler ou je rêve? Attendez. Avant de prendre la quête, je voudrais être sûr que je ne coule pas. Non, je sais où est le truc. Ça me fait peur, j'entends des boulets de canon pas très loin. Barrez-vous. Barrez-vous les spooky scary skeleton. Je vous veux pas raconter de moi. Non, ça va, je coule pas, c'est pas à moi. Bon, donc tout va bien. Tout va bien, parfait. Bon, allons au navire. Et comme les squelettes de ce jeu sont des vrais squelettes, sont des vrais morts-vivants, ils ne montent pas aux échelles, donc c'est bon. C'était dans Resident Evil, ça c'est une aberration, c'est le zombie qui ouvre des portes. C'est impossible. Putain, pourquoi, qu'est-ce que c'est cette merde? Coffre de capitaine, c'est cool. Il avait un skin très bien, une forme très bizarre. Putain, la rentabilité. Enfin, la rentabilité, 200, même pas, 1000. 1000 à tout péter. Bon, bonjour monsieur. L'âme en partance. Erreur dans 1000. Mais c'est moi. Oui, c'est moi, bonjour. Qu'est-ce que je dois faire? Oula! Oula là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hold just a moment. Let me look at you. Un instant, je peux vous voir. Je veux voir. Un pirate, je me trompe pas. Je vois. Oui, bah oui. Ça suffit. Bonjour, pas de dragon. Oui, bah, à ton service aussi, mon fils. Oui, c'est-à-dire que ton pauvre Black. Once I sailed the Sea of Thieves. Laying trapped spirits to rest with my trusty okay. Blade. Until the day I crossed paths with a cadaverous captain named Greymarrow. Qui a lié mon âme à ce portrait. Ah le pauvre, ça c'est vache de vivre dans un portrait surtout là. Je serais encore prisonnier de cette toile sans cet homme étrange et sa boîte de reliques. Je n'ai jamais su son nom, lui le connaissait, le charabia magique nécessaire pour me libérer. D'accord, c'est cool. Maintenant que je suis un esprit libre, je compte un peu de temps perdu en aidant d'autres âmes piégées sur ces mers. Très gentil ta part. Et avec votre arrivée à point nommé, j'en ai enfin les moyens. Avec plaisir. C'est un cadeau d'un vieil ami, mais dans mon état, je ne peux pas la toucher. Quoi? Si vous m'accompagnez dans ma quête, vous pourrez l'utiliser à ma place, vous cherchez et moi je sors. D'accord, pourquoi pas? Un type avec la boîte m'a parlé de trois capitaines, chacun victime d'un navire baptisé le Dragon Cendré. Je suis équipé. J'ai tout écrit dans mon vieux journal, alors on devrait l'emporter. Oui, je l'ai pris déjà. Ne vous inquiétez pas pour moi, je connais des raccourcis surnaturels. Suivez la lanterne, repérez les crânes de capitaine, et mon sabre s'occupera du reste, j'imagine. Allons-y, ok. Journal de l'heure d'Arthur Pendragon, capitaine du Black Wish. Pour Black Wish. Attends, j'allais sur mon navire. Il y a des bruits qui me plaisent vraiment pas. J'aimerais bien ne pas trop couler, de préférence.
Je sais pas si c'est possible, j'aimerais bien me parcouler. Bon, c'est l'orage que j'entends ou c'est quoi? Oh, rage, oh, désespoir. Oh, c'est pas moi. Mon vaisseau va bien. On va se mettre sur le vaisseau, on va bouquiner un petit peu, et après on va partir à la recherche de Maury. Bon, j'espère que c'est pas une quête qui dure 6 heures, parce que j'ai pas envie de me coucher à 6 heures du matin. C'est déjà 1h40 et j'ai pas envie de me coucher trop tard non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Black Wish est mien, cédé par son ancien capitaine, dont j'ai sauvé l'âme de ses tourments éternels. Un échange plus qu'équitable, même si je suis juge et parti. Nous faisons la course vers Dragon School Isle pour mettre le cap sur les mers de Sea of Thieves. Un destin sensationnel m'y attend, je le sais, et je compte le prendre à pleine main. Jour 17. De toutes ces personnes à rencontrer sur ces mers, peu me comprennent aussi bien que ces dames de l'ordre des âmes. Elles ont toutes mérité mon respect et j'ai appris nombre de leurs secrets. Aujourd'hui, Madame Olivia m'a fait un cadeau, l'épée des âmes. Le simple toucher de sa lame peut libérer tout esprit du squelette dont il est l'esclave. Je deviens le champion de l'ordre en quelque sorte. Avec ma nouvelle épée, au jour 23, j'ai réduire les squelettes en miettes et est un jeu d'enfant. Déjà, j'aspire à des épreuves plus exigeantes encore. Je me suis donc mis en poursuite de ce terrible capitaine squelette qui répond au nom de Grey Marrow. D'après les rumeurs, il s'intéresse aux secrets de l'ordre et bien il en fera personnellement l'expérience lorsque madame séparera son esprit de sa misérable carcasse. Attends, on y va. Non, ça va. L'éternité, une infinité d'instants passés sur la toile. Ai-je été piégé pendant des jours, des mois, des années, je l'ignore. C'est en tout cas le prix que j'ai payé pour mon arrogance. Capturé par Grey Marrow, contraint à... Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Contraint à décrire le rituel pour en être la victime. La honte que je ressens est indescriptible alors que je suis piégé dans cet état spectral passif. Je dois expier, je vais expier. La gracieuse âme qui m'a libéré m'a parlé d'autres esprits qui, comme moi, sont pris au piège. Prisonnier de leur propre reste, menaçant de tomber en poussière. Ma lanterne pourrait me guider jusqu'à eux si j'avais suffisamment de substance pour la prendre en main. Alors que je considère diverses approches, je dois noter tout ce que cet étranger m'a dit. Je ne dois pas les abandonner à leur sort, tout comme je m'étais abandonné. Premières âmes perdues, un dragon cendré, un navire de squelettes, qui? Âme de la capitaine encore piégée, Martha Jane, cap à l'est depuis Shipwreck Bay. Ma lanterne pour guide, couler avec le navire, trouver le crâne encore pas. Ça veut dire quoi ça? Avec cap à l'est. Je vois qu'il y a des trucs, hein. On va les voir. On va les voir, mais je sais pas trop, c'est pas un peu dangereux. Je sais pas, j'aime bien mon petit slow, quoi. J'aimerais bien que tu restes intact, je sais pas, ça arrive pas souvent. Ouais, mets les voiles par contre. Oh, ça se bastonne. Ça se bastonne en fantôme. C'est ultra classe. Attends, enlève l'interface. C'est ultra classe. Oh, le massacre. Oh, c'est le massacre à la Pierre des Caraïbes. Pierre des Caraïbes 3, je crois, la fin du 3, ouais, c'est ça. La fin du 3, c'est le même massacre. Un navire de chaque côté qui cartonne en ce truc. Là, par contre, oui. Approchons-nous du bon, peut-être que ça passera. J'espère que juste que je vais pas prendre un gros boulet de canon dans les gars. Oh, ça me protège. Oh, ça va être tellement la merde par contre s'il y a une tempête. J'espère juste que ça va pas commencer à changer mon cap, sinon je suis tellement dans la merde. Vous allez voir. Où qu'ils sont? Ah, ils sont là-bas. Putain, on y voit rien. En plus, à chaque fois que je viens à Shipwreck Bay, il y a une tempête de ces morts. De ces morts, justement, ils sont là-bas. Et suivons les morts. Devant, il va par où? Sérieux, par contre, là, la quête est super classe. Là, j'étais déçu pour l'instant, clairement. Parce que les navires squelettes, ils ont aucun intérêt. En loot, j'ai pas vu de différence par rapport au premier, après j'en ai pas fait beaucoup.
Les seuls navires squelettes que j'ai fait, je suis arrivé à la phase 2 ou 3. Je crois que mon record c'était phase 3. Et encore, je me suis fait chier. Là, j'ai tenté en action héroïque parce que j'avais plus de munitions. D'ailleurs, je dois refaire une pause, je crois, sur le record pour être sûr que ça marche. Donc, à tout de suite, je vous reprends. Voilà, quand je vous dis à tout de suite, c'est vraiment à tout de suite. J'ai même pas fait de café, j'aurais dû. Je sors de la tempête, c'est parfait ça. Est-ce que je peux me faire discret à des vaisseaux? On a une interface. Combien j'en suis là? Ouais, début de vidéo, donc ça passe. Putain, c'est ultra classe. Voilà, je crois que j'ai mon screen. Putain, le pauvre au milieu, il se fait tellement massacrer. Foncez-leur dessus, le bélier flottant. Je peux vraiment... Attends, enlève ça. Est-ce que je peux vraiment m'approcher? C'est ultra classe. Il m'en fout un peu le trésor. J'en ai rien à carrer. Oh oui, cool. Saleté. Je m'en fous, je cherche un navire squelette. Oh, il fuit. Oh, l'attaquant, il fuit. Oh, le... Bah, GG, Boris. GG, Mister Voile Rouge. Ah, mais non, mais pas GG du tout. Pas GG du tout. C'est pas un dragon qui fuit, le pauvre. On va aller voir lui, je pense. C'est le plus proche. Voilà, les voiles, je peux pas trop faire mieux, on va dire. Oh, c'est super classe, c'est de la tempête en fond. Moi, je laisse pas trop l'interface, là, c'est justement pour les screens, les trucs, et enfin mes screens. C'est depuis The Division, en fait, j'ai appris à faire mes miniatures avec les images du jeu. Donc là, c'est ce que je vais faire, hein, clairement. Ultra classe. C'est super classe. Et si je m'approche vraiment de lui, est-ce que c'est... Ouais, je dois m'approcher, je pense, de l'autre, mais si je m'approche de lui, est-ce qu'il s'efface ou pas? Ça m'intrigue. J'aimerais tellement pouvoir l'approcher, mais vraiment de près, pour pouvoir le zioter de près. Ouais, ça marche. Oh, génial. Oh, excellent. Oh, génial. Il est coulé. La musique. Par contre, là, je suis sûr que je vais être strike sur YouTube. Ça, c'est certain. Va falloir que je parle, je parle. On sait jamais. Si ça peut m'éviter un strike, j'ai tout gagné. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que cette merde. Oh, le crâne. Qu'est-ce que c'est ce crâne? Crâne du capitaine Martha Jane. Ok, d'accord. Ah, mais ok. Les restes d'un capitaine, apportez-les-moi. Bonjour, Maurice. Oh, je peux le vendre, le crâne de l'ordre, à l'ordre des âmes, s'il te plaît, Maurice. Allez, sois cool. Enlève l'interface. Ah, putain, je suis en train d'hésiter entre enlever l'interface et la laisser. Tiens, encore vous, il est temps que je remplisse cette matière du contrat. Pensez-moi le crâne. Promotion du tombeau dans l'eau. Martha Jane. Je ressens le remous de son âme autour de nous. Voyons si mon sabre des âmes peut mettre fin à ses tourments. Ah, les musiques, elles sont géniales. Ah, il y a tellement de... Tellement de captures, il y a tellement de trucs à faire. Ah, trop bien, je suis content. Ah, je suis aux anges.
Hein? Pardon. Un vaisseau des damnés couronné de flammes, quel trésor pouvait-il bien cacher? Mon équipier et moi cherchions la vérité. Six nuits durant, nous avons poursuivi le dragon cendré. Souvent, nous avons cru avoir perdu la piste pour finir par retrouver la lueur de ses flammes sur l'horizon. La troisième nuit, nous avons rencontré le capitaine Stone et son équipage, qui lui aussi voulait s'accaparer le service et le secret du navire. Navire de feu ? D'accord. De mauvaise grâce, ils ont accepté notre proposition d'alliance. Et c'est eux qui se sont fait poutrer. Enfin, nous avons eu l'opportunité d'attaquer. Quelle grave erreur. D'accord, donc effectivement, c'était le massacre, mais à l'inverse, le dragon était au milieu. C'était eux, d'accord. Notre cupidité nous avait aveuglés quant à la nature réelle de notre proie des squelettes. Brûlant devant nous tels les prisonniers des flammes d'Hadès. Face à cette horreur, Stone et son équipage ont fait demi-tour sans demander leur reste. D'accord, c'est pour ça qu'ils étaient loin, et eux, coulés. Tout était perdu, même avant que le dragon cendré ne vire de bord et ne lâche une bordée de canons. Oui, un truc enfin, ça peut faire du bien. Ils sont passés à l'abordage alors que notre navire était en proie aux flammes. Notre monde se consumait et nous ne pouvions ni réparer, ni fuir. Si, tu nages, tu vas dans la flotte, je sais pas. Enfin, t'essayes, du coup. Le Stone sera-t-il d'une façon ou d'une autre hanté par sa couardise? Habité de cet espoir, on descend vers notre dernier repos. Dans les profondeurs. Bougez pas sur les voices, moi, de la flemme. Au revoir. Bah, il est vraiment parti à la profondeur. Il semble que le mystérieux capitaine Stone soit la clé de la traque du dragon cendré. D'accord. Je vais consigner les souvenirs de Jane dans mon journal. Il pourrait nous aider à trouver notre prochaine destination. Tu les as consignés déjà ? Oui. Au secours. Les mémoires de la mort de la capitaine Martha Jane. Randall Stone nous a laissé pour mort ce lâche. Pardon. Randall Stone nous a laissé pour mort ce lâche. Il avait peur du navire en feu. Je rends mon dernier souffle, mais je sais où il a fui. Il se cache là où Fetcher Farley est mort. L'endroit où nous avons trouvé un trésor pour la première fois. À chaque fois qu'il regarde ses rives, j'espère qu'il se souvient de moi. Le dragon cendré devrait être visible de cette île. D'accord. Donc, on va voir si je trouve. Donc, Mauricio, il était par là-bas. Fetcher Farley. Voyons s'il y a une île qui a ce nom. J'ai pas la moindre idée, ça doit pas être loin en fait. Qu'est-ce que c'est que merde? Ah oui, je m'en fous de ça. Merde, c'était où ça? Oh, j'en ai pas la moindre idée. On va essayer de prendre le. Ouais, j'ai pas d'idée là, j'avoue. Ah oui, ouais, ok. Déjà, il y a un volcan. Fetcher reste, ok. Là où Fetcher Farley est mort, Fetcher reste. Hein. Oui, je suis con, et alors? Go plein est, réfléchis pas. Oh, ça va être un enfer, ça, par contre. Ça va être tellement un enfer. Et là, je trouve la boîte aux merveilles. Ça, c'était un miracle. Bah, de toute façon, si vous cherchez la vidéo de la boîte aux merveilles, vous cherchez la vidéo la plus vue de ma chaîne. 1800 vues, à peu près. Et tout ça grâce au pif. C'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir de la chance dans un jeu. Sincèrement. Je voguais tranquillement. Je me suis fait poutrer. Réellement, je me suis fait poutrer. Je suis arrivé sur Roran... Machin. Comment ça s'appelle? C'est là, la con. Le Roran truc, là. Comment ça s'appelle? J'ai enlevé ça. Il y a un truc qui s'appelle Roaring Train, voilà. Ou Roaring Sand, pardon. J'ai respawn sur Roaring Sand. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelait la boîte aux merveilles. J'avoue que sur le coup, j'ai pas tout à fait compris. Quand j'ai vu la somme, j'ai compris. Et quand j'ai vu mes vues sur YouTube, j'ai encore plus compris. Il n'y a pas de principe pour la trouver. Faut avoir de la chance. Clairement, il n'y a pas d'autre solution pour la trouver facilement. Faut naviguer. Dans le Devil's Roar, ça avait bien marché pour moi.
contre, cette lanterne, elle est magique. Ouais, mais attends, ça fait sur tout mon navire. C'est fumé. Fumax. Oh, tout mon navire, il clignote. Trop bien. Ouais, il fait clignoter tout mon navire, Maurice. Ah non, faut pas clignoter tout mon navire. J'ai l'impression, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, ça éclaire bien. Il y a des bruits bizarres. Bizarre, vous avez dit bizarre. Là. Un peu plus au sud. Bon, je vais faire une pause le temps d'arriver, comme ça moi ça me permet de faire un petit café pour me réveiller. Et donc je vous dis à tout de suite. Nous arrivons sur place. Enfin presque. Ouais, presque. Presque vite fait. Ouh merde. Ouh merde, quel con. Non mais va à l'opposé de ton bateau, seule solution, vite, mais boulé. Mais il faut que je reprenne le record pour faire ce genre de conneries, hein. Ça n'arrivera pas ailleurs, autrement. Ça arrivera à personne d'autre. Vite le poisson. Vite le poisson, Sky. Coupe-moi. Au secours. Ah non, ça va. J'ai déjà les canons qui prennent feu, plus ou moins un truc qui prend feu, ça va. Ah ben voilà, parfait. Parfait, ça c'est du timing. Si ça c'est-il pas du timing, ça. Ça c'est bien, je vois. Enfin, aucune idée, c'est fait de chat, je crois. Oui, il y a 2-3 merdouilles que j'ai récupérées. Je me suis arrêté à côté d'une épave. J'ai passé vraiment à côté d'une épave, à 2 mètres, 50. Merde. Boulet. Dommage. Là, j'ai pas envie de m'arrêter parce que si je m'arrête, le volcan va re-rentrer en éruption, ça va me gonfler. Et là, pour s'approcher, ça va être très chiant de cette île pour s'approcher. Surtout là, avec l'eau qui est. L'eau en feu. J'ai pas envie. Voilà, ça ira parce que. Je peux sauter sur le navire au cas où. C'est chaud. Ah ah ah. Normalement, il n'y a pas de double éruption dans le jeu, donc ça devrait aller. Salut. Qu'est-ce que tu fous ici? Walter le peureux, d'accord. Bonjour Walter. On a Walter le peureux. Et donc, je vais trouver un navire, je pense. Un cheval qui est mort. Où est-ce qu'ils ont trouvé un cheval? Là est la question. Quel cheval veut bien rester sur une île volcanique? Ah oui, il faudrait peut-être que je tente de faire ça un truc. Je ne sais pas. Donc, ouais, bah c'est clairement ça. Clairement, c'est celle-là. Où est-ce que, en fait, au passage. Non, pas celle-là. Tout va bien. Excusez-moi. Je fais que passer. Loupé. Ah, là, vous n'allez pas me louper, vraiment, si je reste coincé là-dedans. Caisse de stockage, j'en ai rien à carrer. Qu'est-ce que je dois chercher? Nous a laissé pour moi un seul. Fille de l'île.
Ah non, il est pas visible pour l'instant, mais je dois pas être sur la bonne île. En fait, il s'est quand même passé un truc pendant que j'étais sur le... sur le navire qui avait coulé. C'est que le combat contre que j'avais entamé en début de vidéo s'est terminé il y a à peu près 10 minutes. Ah vous ? Je crains un peu les tremblements de terre avec l'ajout des flammes en fait. L'ajout des vaisseaux en feu me fait craindre les tremblements de terre, parce que le tremblement de terre est très souvent annonciateur d'une éruption. Qu'est-ce que je dois chercher? Est-ce que vous connaissez le dragon, non? Oui, après je comprends que tu puisses te sentir seul, Mauricio, mais bon... Au moins il faudrait que je trouve un navire. Au point de vue de l'île, ça vaut pas le coin. Ah, d'accord, bah vu. Donc, bah, faut que je fasse marche arrière. C'est bip bip. Bon, monsieur, ça va bien? Aïe. Pas gentil, monsieur. Saloperie. Je veux mon coffre. Reste en vie. Reste en vie au moins jusqu'à ce que tu arrives sur ton bateau. Je récolte un merdier. Je commence à récolter du merdier. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je récolte du merdier. Donc, demi-tour. En plus, je pourrais le voir du bateau, mais quel con. Mais quel débilus. Pour l'instant, la quête est très rigolote, mais je sais pas si je peux arrêter. J'ai pas envie de la finir ce soir. Ça fait long. Oh, ça fait. Bah, ça fait pas longtemps, ça. Je vais prendre mon café, moi déjà, ça me réveille un peu. Enfin, café. Chocochino. Ah pareil. Après c'est du Tassimo, c'est pas l'idéal. Dolce Gusto, c'est super bon. En comparaison, dans les boissons, je ne connais pas les Nespresso, je ne les ai pas goûtés. Par contre, dans les Tassimo Sensei ou Dolce Gusto, et bon, classique. C'est en qualité, bon le classique gagne bien sûr. Après c'est Dolce Gusto, Tassimo, Senseo. Senseo c'est dégueulasse. J'ai trouvé un bon café surtout. Après, c'est du café spécial. Je parle aussi un peu que des marques. Parce que si vous prenez les marques classiques, la marque Senseo, la marque Dolce Gusto, et la marque Tassimo, parce que Tassimo, il n'y a que du Tassimo chez Tassimo, là, vous avez effectivement des bons produits, des très très bons produits chez Dolce Gusto. C'est vraiment de super bons produits. Là, le latte macchiato au caramel. Non, le chocochino. Le chocochino caramel, c'est ça. Le chez Dolce Gusto, il est super bon. Par contre, c'est Diabète Simulator, le machin. C'est du sucre au sucre. Je vous vois toujours. Oh, il y a une vieille brume dégueulasse. Je ne le vois pas. Est-ce que c'était ça qu'il fallait que je fasse? Parce qu'il était derrière, hein, clairement. Alors, pas me fatiguer, je vais aller là-bas, on verra bien. Et après tout, plus vite je peux me barrer de cette île à la con, mieux je me porterai. Et oui, et je pense que j'ai oublié une étape quelconque. On va se rapprocher un peu de la côte, on va descendre sur la côte, on va voir le bateau, on va sortir la lanterne. Et ça devrait suffire, je pense. Parce que là, je vois plus le... Ah, oui, si, oh, si, si, tout à fait à droite. Je croyais qu'il y était plus. D'accord, ok. Je croyais vraiment qu'il y était plus, en fait, et qu'il fallait que j'active un truc sur l'île, mais non, tout va bien. C'est bien, on le voit de loin, en plus. Pratique. Allons-y.
Non, c'est calme après Sea of Thieves. C'est bien parce qu'on peut lâcher les commandes, boire un truc et on revient. Quand le jeu n'est pas possédé et vous sort toutes les merdes possibles et inimaginables. Par contre, j'espère que je vais pas devoir me friter avec le navire, sinon je suis tellement mort. Bon, après, j'ai la technique ultime contre les navires PNJ. Ils gèrent pas les virages. Vraiment pas. Enfin, soit ils les gèrent trop, ils font des drifts à danser avec leur navire. Soit ils les gèrent pas du tout. Plus souvent, c'est pas du tout. C'est pas du tout, et tout d'un coup, miraculous. Ça part en couille. Ça part en couillous. Bon, de toute façon, là, il faudra que je tourne à droite. Hein. Ça, c'est clair, faut que j'aille vers le cap du bateau. Que je prenne le même cap. Ça donne la gerbe, au secours. Et c'est dragon cendré machin. Ah merde, je voulais voir si elle est coulée ou pas. Oh, il a un shy level enfoiré. Enfin, à peu près. Ça, c'est bien qu'on les voit de loin dans la brume. Ça, c'est prévu, c'est cool. Enfin, tu... il est où? Eh, sous la voile. C'est chaud pour le voir celui-là. Yop, la chasse au trésor. Donc pour l'instant, trésor, j'ai une GGM. Peut-être GGM, on va ranger. Fais vrac. On va ranger à côté de Coco. Coco qu'on va ranger aussi. Coco, ranger. Non, viens, au secours. Coco, ranger. Coco, loqué. Ouais, Coco, enfermé. Ça c'est fait. Ok, on est bon. Cet enfoiré va nous faire aller contre le vent. Ça va durer 8 plans. En plus, je sais pas du tout où je suis, j'y vois rien. C'est un brouillard de merde. Qu'il y a une chance sur deux que je me bouffe une île. Donc là, le vent, il va venir de là. Donc ouais, bah, il faut que je mette plus à... faut que je mette les voiles plus à gauche. Au bas-bord. Ça bastonne, je crois. Non, par contre, si tu me fais revenir sur mes pas, Maurice, là ça va gueuler. Là ça va gueuler si tu me fais faire un aller-retour. Putain, il y a un effet dégueulasse. Je sais pas si c'est mon écran qui merde ou si c'est... Ah ouais, vous, je sais pas, ça fait une espèce d'effet bizarre. Je sais pas si ça micro-lag quand je tourne ou ça fait. Ou la brume, je sais pas, c'est un effet très bizarre, très dégueulasse. Par contre, la grosse catch, je sais pas où je suis. Je sais pas, je suis encore dans le Devil's Roar ou pas? Ah oui, je suis encore dans le Devil's Roar. Putain, il y a une île. Par contre, il y a une île là. Elle est où? Elle est où l'île? Attendez, il y a une île pas loin. Mais elle est où? Une bordel de merde, elle est où cette île à la con? Tintin. Mais où est cette île? Mais vraiment, elle est où? Au secours? Non, disparaît pas encore. Ah bah, elle est là. Trouvé. Bonjour Maurice. J'ai envie de rentrer dans le cul quand même. C'est beau être un squelette. Drift doré. On lui coupe la... qu'on leur coupe la route. Attends, je suis... Ah oui, non. Un peu trop là. Oh, la musique, ça fait... Ça me fait penser à la musique d'Amelia Pond dans le Doctor Who. Là par contre, là c'est grosse capture d'écran. Attendez. Parce que je vais pas me mettre dans l'eau, ça fait dégueulasse. Donc juste une petite seconde. Oh, 13 minutes 40, ouais, je vais pas m'en rappeler, donc je reviens. Voilà, de retour. Oui, en fait, j'ai pas de... on va dire de logiciel de vraie capture d'écran. Quoi? T'es où? Y'a un truc sous l'eau? Putain, mais j'y vois rien avec cette vieille brume. Ah, mais oui, mais y'a un effet très bizarre, très arbitre. Je pourrais me garer proche de lui, en fait, ce serait plus rentable, mais bon.
Vu que je vais pas le voir, je vais me bouffer un volcan. Ça va être épique. Ça va couler surtout. Au lieu de ça va couper, chérie. Ça va couler, chérie. Le ça va couper, chérie, c'est une phrase de la cité de la peur, je crois, de mémoire. Oh, c'est magnifique. Dommage que je me sois mal garé. Ah. Il y a un autre truc. Le truc bleu brille un peu trop. Ah, oh, c'est une marque à la main. Que je peux la pousser par là-bas. Les rames. Eh oui, donc ça c'est une petite astuce, si vous avez du mal à utiliser les rames, mettez-vous dans le bon sens. Ça, moi je trouve que c'est plus fluide en fait, en se mettant dans ce sens-là, pour les mouvements. Les accélérations à la rame. Ah, au secours. Faut vraiment attendre. Je vois plus rien. C'est une horreur cette brume de merde là. Ah là c'est plus brume de ses morts là, c'est brume à la noix. Je suis tellement un chat là. Et la musique d'Amelia Pond revient. Si vous vous demandez qui est Amelia Pond, regardez le Docteur Who. Je ne l'en dirai pas plus. Le gars sur sa barque qui va affronter le dragon cendré. Oh, c'est super. Ah là, ils ont fait des gros efforts avec la brume. En plus, ça rend tellement bien. Où est mon navire? Tu vas voir là? Si, vous pouvez. Oui, côté. Putain, je me suis perdu, moi. Les meilleures, en fait, ce sont vraiment celles avec les crochets, avec les harpons. Parce que là, avec le harpon, font un coup de harpon sur le cul du vaisseau et hop, tu y es. Ni didi. Eh merde. Bon, et puis merde, hop. Remets l'interface. Saphir de sirène en orange. Oui, je suis nul avec les barques. Vraiment nul. C'est une catastrophe les barques pour moi. Plonger, j'imagine. Ah, il y a un truc. Un caillou. Quel destin, mec. J'aimerais bien y voir quelque chose. Vraiment, ça m'aiderait dans mes recherches d'y voir un peu. J'y vois rien, c'est une horreur. J'y vois mieux sous l'eau. La dernière fois, il fallait que je recherche. Est-ce qu'il y a une page en plus? Avant de se noyer définitivement, et d'être définitivement con, là, clairement, il n'y a rien du tout. Je sais pas ce que je dois chercher. Oh, putain, on n'y voit rien. C'est une horreur. Vraiment, ce temps-là, c'est une horreur. Je crois que je vais faire une pause, je vais attendre que le climat aille mieux. Pardon. Ah, je m'étouffe avec mon café. Attends, est-ce que je peux mettre mieux mes voiles? On va se placer mieux, que ce soit plus joli. Plus cinématique, on va dire. Là, je suis bien placé.
ça c'est pas mal là. Ah ça fait... La brume fait un effet de merde par contre. Il est où? Donc là clairement on a fait les recherches sous l'eau, y'a rien. Je suis pas fou, y'a rien. Cette brume elle est tellement handicapante, c'est une horreur. En général, ça correspond à un crâne. Allons-y avec la lanterne. Donc là, il n'y a rien sous l'eau. Fouillons, fouillons. Ah! D'accord. Ah, il faut le savoir, ça. La barque. Avant d'aller vers le navire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ok, non, je regarde qu'ils aient pas planqué un truc en haut, je ne sais pas. Donc, un combat entre un pirate et un squelette. Le squelette a gagné. Avec moi, les squelettes gagnent aussi souvent. Tu peux, Maurice. Allons-y. Mal au crâne. Oh, cette brume elle me gonfle. Quand est-ce qu'elle passe? S'il vous plaît, faites qu'elle passe. Y'a rien par ici. Magnifique. Le gâchis est vraiment beau, mais là l'effet d'optique de la brume est dégueulasse. Je sais pas si c'est la brume ou si c'est la quête qui fait ça. Mais l'espèce de flou bizarre, c'est horrible. Je sais même pas si je peux le désactiver, j'ai pas envie. Je vois pas d'autres vaisseaux ailleurs, je vois rien. On va voir si je trouve un truc. Je fais une pause, le temps de trouver un truc, là je sais pas trop. A few moments later. Ok, je le savais, ça a pris feu. Sodo, vite. Ça résiste, ça résiste. J'ai des planches, je reste là, je ne bouge pas. On va peut-être au moins passer cette brume à la con. Attends, non. Oula! Au secours! C'est tout le bateau qui prend feu! Au secours! Au secours! C'est la mort ça! Non mais. Oula! Ah oui, mais c'est la mort ça! Bon, bah, cherchons sur l'île. Y a plus que ça à faire. Mort pour mort. Au revoir. Une météorite en pleine gueule. Ah oui, deux météorites, c'est parfait. Bon, bah c'est très bien. Volcan à la con, je sais même pas où il était. Il était où ce putain de volcan? Je pensais vraiment qu'il était loin parce que l'eau était pas en train de bouillir. Et donc là, vraiment la curiosité est totale. Ah ouais. Ouais, il y a encore, trop bien. Et donc ça, c'est la quête des légendes. C'est une légende pour mourir. Et ben, qu'est-ce que je suis, moi? Je pourrais triple météorite en pleine gueule. Le vaisseau a pris feu. Et j'ai pris feu. Le vaisseau a coulé. J'ai coulé. Ça fait pas du bien. Bon, mais il s'est passé un truc. Pas ce que je voulais, mais il s'est passé un truc. Donc, on va voir où est-ce que je respawn. Et le temps d'y aller, hein, à tout de suite.
Ah, je suis à Chaille-les-Bains. Je suis à Chaille-les-Bains, bon. Ah non, je suis pas à Chaille-les-Bains. La question est où qu'est-ce que je suis et bon c'est vrai que ouais, ça mène cette merde en fait. Donc fallait que j'aille à Fetch Rest. Et c'était par là je crois. C'était par là, on va aller par là. Ah merde j'étais sur quelle île. Oh j'aurais dû vérifier quel con. On va voir, je crois. Soit c'est Curse Water. Ah ça va être Curse Water Shore, c'est ça. Je pense. C'est soit ça, soit ça. Je vais regarder sur mon record et je vous dis à tout de suite. Comme ça, parce que j'aurai le nom, je pense. One eternity later. Bon, petite transition pour vous dire qu'on y voit quelque chose. Je sais pas du tout, là-bas on n'y verra rien, mais dans le jeu on y voit un truc, on y voit un peu. Ça fait une demi-heure qu'on n'y voit rien. Ça fait une demi-heure qu'il y a un effet dégueulasse. Et c'est la brume. C'était bien la brume qui donne un effet dégueulasse qui fait mal au crâne. Donc là, si jamais quelqu'un de chez Rare ou Microsoft m'entend, s'il vous plaît, enlevez cet effet de merde dans la brume. Parce que non, dans la brume, tu vois pas ta main trois fois. En fait, non, ça marche pas comme ça. Ouais. Tu vois ta main, mais un peu. Mais moins. C'est comme s'il y avait un truc opaque devant tes yeux. Voilà, c'est tout. C'est... Ah, ça recommence. Ah, ça recommence. Je sais pas si vous voyez l'effet que je veux dire. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est comme s'il y avait. Un lag, un micro-lag sur les... sur certains trucs. Oui, donc ce scorch de passe. Si tu me fais chier. Je sais que je dois aller scorch de passe. Ah, oh, mais il va me refaire passer. Ah, oh, qu'est-ce que... On capte les goûts, là. Oui, sur scorch de passe. Parfait. Parfait, parfait. Là, ça va. Oh, brume de ses morts. Oh, j'en ai marre de cette brume. Vivement qu'il fasse beau. J'ai combien d'envie? Est-ce que je peux pas changer cet effet à la con? Comme ça, on le voit ensemble. On va être graphique. Maudit? Mais non. Oui, une qualité supérieure, je monte le nombre de particules, hein. Ouais, j'en fous. Ce processeur graphique, j'ai 8 gigas, ça va. J'ai 8 gigas, je suis un mythique partout. Ça me laisse regarder. Ouais. Pourquoi je suis un rare? Je suis que cette merde. Je suis pas un rare, je suis un ordinaire. Ça va bien? Ouais, ça va, c'est bien. C'est flou, mais c'est mieux. Je sais pas ce que. Oh non, c'est dégueulasse. Ouais, ça fait une espèce d'écho sur les. Ah, parce que ça dé... Hein, d'accord. Parce que le jeu n'arrive pas à gérer les contrastes sur des objets, je crois. J'ai l'impression que le jeu n'arrive pas à gérer la brume sur le contrasté. Et donc, ce qui est à droite, là, si vous regardez le truc avec le cuir rouge, quand il passe sur un objet, enfin, même les morceaux du guidon, quand il passe sur un objet, ça fait une espèce d'effet de contraste dégueulasse. Si je vois à peu près où sont les trucs, c'est un peu chaud. Je sais même pas où il est, heureusement qu'il y a le bateau, je sais à peu près où est le bateau. Ok, ça c'est pas du parking. Il est dessus. Non, ou pas. Merci. Cette musique, par contre, elle m'énerve. Elle va m'énerver cette musique. Hop là. Récupère tout le monde. Récupère. Cool, secours. Bon verre. Au secours, ça coule. C'est bon, ça remonte. Oh, le stress. Placé n'importe comment. Ils sont où?
me suis tellement placé n'importe comment par contre. Et donc il est exactement 2h35, j'ai commencé cette vidéo à minuit. Ça vous donne une petite idée en fait des heures à laquelle je tourne et des conditions de tournage. Absolument, des folles et désastreuses. Donc j'ai compris que je vais aller là-bas, donc on va y aller. Visons bien. Hop là. Et feu. Parfait. Donc là. Ça tire. Ça tire. Ça fuit. Ça fuit par ici. Le problème c'est que ça fuit par ici. Ouais c'est bien mais bon. Moi ça m'amène absolument. Ouais, pourquoi c'est rouge? Ah oui, c'est rouge. C'est une lanterne. En fait, ça m'amène à rien. Ça m'amène à rien du tout parce que le bateau, il est, il y a rien sous le bateau. Faire le tour de l'île à pied en espérant qu'il n'y ait pas de volcan qui rentre en éruption, ça m'arrangerait. Nous nous mettions en danger, mais c'était inévitable. Après ces réparations, ravitailler était indispensable et une nouvelle attaque était encore possible. Je ne sais pas comment ces pirates ont deviné notre cap, peut-être était-ce la chance, et pourtant, lorsque j'ai mis pied à terre, leur capitaine m'attendait déjà. Si j'avais envoyé mon équipage, ils auraient été dépecés, mais mes os ont été forgés dans le feu, et en quelques instants, c'était lui qui gisait à mes pieds. Comme auparavant, notre commandant a envoûté l'esprit de cet inconscient pour qu'il ne revienne pas de la mer des damnés. Il ne nous importunera plus jamais. Pour la dernière étape de notre voyage, nous passerons au large de Flintock Peninsula. En attendant, je trouve le temps de me questionner. Qu'adviendra-t-il de nous une fois notre mission effectuée? Là, en théorie. Flintock Peninsula. D'accord que la vengeance... Ouais, d'accord que c'est Flintock Peninsula. Ah, voilà. J'avais pas vu celui-là. De toute façon, je risquais pas de le voir avec le... Oh, le volcan, il revient en éruption, saloperie. Vite, barrons-nous. Courage, fuyons. Protège le navire. Vite, Maurice, protège le navire. Est-ce que c'était quel volcan, en fait? Est-ce qu'il y a un volcan à côté de moi? J'attends juste 30 secondes de voir si ça peut m'arriver dans la gueule, parce que sinon j'ai fait qu'avec la barque. Ah, c'est lui. Bah oui, effectivement, avec la brume que j'avais, aucune chance que je le voie le machin. Un truc rouge. Qu'est-ce que c'est? Ou une sirène. Une niette. J'avais pas une barque? Une barcouille, une barquette. Eh là, si, j'avais une barquette. Parfait. Allons-y à la barque où le vaisseau est à peu près en sécurité, donc on va éviter de couler comme un con, ce serait bien. Ouh, elle vole. Ça va vol, ça va vol. Faut que j'aille. Demi-tour. Demi-tour. Droite. Et droite. Et droite. Ah, y'a mis. Et tout droit. Allez, ça va aller mieux. Il fait demi-tour. Allez, demi-tour, demi-tour. Ah, l'effet fantomatique est tellement dégueulasse. Mais y'a rien. Ma barque. Je
Je vois plein de choses, mais je sais pas trop ce que c'est. Ok, là il y a le volcan. Ah, mon niveau rien encore, j'en ai marre. Ouais, 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 ouais. Ah, mais cette brume elle commence à foncièrement me faire chier. Ouais, et alors? En fait, c'est bien de me montrer ça, mais alors? Comme il y a de la brume, en fait, j'y vois rien, donc je sais pas où je dois aller. Très frustrant. L'île est là-bas. Et j'ai vu un volcan en éruption pas loin. Et ça m'inquiète. C'est très frustrant parce que je vois pas où je dois aller chercher. J'ai un fond. Là, il y a un fond. On n'est pas très loin. Ça pourrait correspondre. Parce que oui, sur le solo de partie, il n'y avait pas de fond. Oui, puisque la mère de Sea of Thieves n'a pas de fond. Non, ok, là, je comprends pas trop. Là, je ne sais pas ce que je dois chercher. Je sais pas du tout ce que je dois chercher, c'est très perturbant. Elle est bien cette quête, mais elle est pas très claire. Et comme j'ai absolument aucun talent pour les énigmes, je me perds. Un escape game, moi, c'est une heure, je sors pas. Moi, c'est un escape game où en plus tu décèdes. J'allais vite me retrouver dans un cercueil. J'ai un peu, putain, j'ai perdu ma barque et j'ai perdu mon navire. Super. Oh putain, je vais lâcher du monde. On est d'accord, c'est officiel, y a rien là. Je suis pas fou. Qu'est-ce que je dois chercher? Non mais sérieux, je dois chercher quoi? Parce que le navire il a coulé derrière moi, mais comme il y a. Putain, cette brume par contre, elle m'énerve, c'est vraiment cette brume. Elle fait foncièrement chier. Comment je peux l'enlever? Si vous avez une solution pour enlever la brume, moi ça je prends ça. On voit rien, c'est dégueulasse, ça me fout mal au crâne en plus. Nice. Je suis bloqué, page 12. Bon. Passons. Où est-ce que je dois aller? Trouvé par un je ne sais quel miracle le truc qui le truc coulé, mais il est invisible, il est absolument invisible, juste un poil contrastouillé. Cette idée à la con qu'ils ont eu quand ils ont fait la mission dans la... Il est où là-bas? Ok, on le voit un peu. Putain, faut scanner, faut scanner, faut scanner. Mais c'est une horreur ce temps. Ah là je me plains, mais c'est... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sérieusement, pourquoi vous avez fait ça les mecs? Ça sert à rien d'avoir mis un temps dégueulasse. Les joueurs ne voient rien, ils profitent pas de votre jeu. Ils profitent même pas des quêtes. Je suis avec mon navire donc ça allait mieux. D'autre. Je crois que je vais faire le tour. Faire le tour avec le vaisseau parce que je vois rien. Là je vois que ça. Une espèce de reflet rouge dégueulasse. Donc on va couper la voile et on va tourner non-stop avec le bateau en attendant de scanner un truc. Parce que je... à cause d'un bug, je dois exploiter un bug, ça fait chier mais bon. Y'a rien d'autre, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ?
Avançons un peu. Ouais, on s'en va avec le bateau, je vois. Suivant la flèche. Ok, y'a rien par là. Je vois même plus les volcans, je vois plus rien. Quoi, Coco? Tu peux pas te rendre utile? Là, il y a l'île, là, je vois le navire. Mais il n'y a rien d'autre? Mais il n'y a rien d'autre? Mais qui est-ce que c'est externe? Ah, tourne un peu. Il y a rien. Rien du tout. En fait, si vous demandez ce que je fais, en fait, sur l'écran, je vois qu'il y a une espèce de relief selon les trucs sur lesquels je passe. Et là, il y a rien. Il y a rien. Pas un relief, il y a rien. Ah, oui, bah oui, je suis revenu vers l'île. Bon, retournons à l'île, je ne sais pas. Heureusement qu'il y a le vaisseau fantôme à côté, parce que là... Ouais, ça doit être le deuxième vaisseau, ça doit être le vaisseau du pirate mort. Ouais, c'est ça. Il doit être sur l'île. Je vois que ça. Je vois que ça comme réponse en fait, parce que j'ai fouillé partout. Oui, putain, il fait peur avec sa barque. Bon, je vais chercher un peu en off et sinon je vais rechercher la solution sur internet parce que là, y a rien qui vient. Y'a rien qui vient, je trouve rien. Oh 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 oh! Comment vous dites ça? Qu'il y a des empreintes de pas. Oh 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 oh! Non, le capitaine est mort là. Faut creuser? Ah oui! Ah d'accord, mais c'est pas clair leur truc. C'est vraiment pas clair. Ça doit être ce couard de Martha Jane. Le couard dont Martha Jane a parlé, passez-moi le crâne. Tiens. Tiens, pain dragon. C'est tout? Merci. Bravo, une autre âme a libéré les griffes du purgatoire que ma lame procède. Avec la musique, c'est tellement parfait. Là, je me tais par contre. Nice. Voilà, c'est juste pour ma... c'est juste pour mon mental. Oh, la classe. Oui, et... Oui, Jane, je sais comment vous m'appelez. Randall le Vandal n'a rien d'un couard, compris? Et il n'a rien d'un abruti non plus. C'était un combat perdu d'avance, on le savait tous les deux. Mon navire a fini par le fond et mon équipage à bord du vaisseau des damnés. Mais je sais où aller le dragon cendré et où prendre mon mal en patience. Ces squelettes de feu ne font pas de demi-portion, j'ai mis plusieurs coups, mais
Il revenait à la charge, fait chier, alors pas à côté. J'ai dû fuir, faute de quoi j'aurais fini en sang. T'as mort à la merde. Ok, c'est ça, hein. Non, si, je connais la vérité, c'est le navire. Vite, 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 je suis obligé. Only one captain left to find. I'll add Stone's information to my journal so we can learn where the Ashen Dragon was heading. We've come too far to lose. Je vais couler, je vais couler. C'est bon? D'ailleurs, on se casse. Il faut que je bouge très vite. Avant de m'en prendre une en pleine gueule. On verra après où je dois aller. Tant que je peux bouger, je suis sauvé. Là, le gros défaut de la quête, c'est que je me suis retrouvé dans une zone remplie de brouillard et c'est la merde. Tellement la merde. Je sais pas où je vais me bouffer une île. Une île là, c'est quoi? Je dois aller où? Au secours. Le dernier souffle du capitaine Roston. Je cherchais la destination du dragon cendré lorsqu'on m'a tendu une embuscade. Alors que le froid resserre son étreinte, de nombreuses questions restent sans réponse. Qui a été ce prisonnier à bord? Quel était son nom? Pourquoi était-il captif? J'ai tout fait pour le libérer. Mais alors que je rends mon dernier souffle, je redoute qu'il ne soit jamais libéré. D'ici, nous pouvons suivre la piste du dragon cendré. Ok, double île. Quoi encore? Ah, c'est vrai. Molten Sand, ok, Penest. Et mes tours. C'est bien qu'il nous fasse revenir dans le Devil's Fort par contre. Mais tu me frôles toi? Lui je prends pour qui? Poisson. Je te prends pour qui, saleté? Marteau? Marteau, saloperie! Dégage! Dégage! Je vais énerver. Il va falloir vraiment que je suive sur la carte parce que je vois pas les îles. Et ça, ça va me poser des gros problèmes. Cap à l'est, pile. Est-ce qu'il y a une île? Non, ça devrait aller. J'ai des planches, j'ai pas de bouffe, par contre, ça c'est la merde. J'ai ma souris qui est beaucoup trop sensible. Oh putain, merde. T'as vu arriver celui-là?
J'avoue que la concentration devient maximale. Vas-y, il est en face de moi, on est bon. Où est-ce qu'il y a un trou? Ah merde, c'est Moltensen. Oups. Demi tour. Secours, le lag. J'ai pas trop envie de sortir de la map. En fait, sortir de la map à 4 sur un sloop, je suis sûr que c'est faisable, mais d'aller loin en plus. Avec, moi bon, après, il faut 2000 planches, mais bon, c'est faisable. Techniquement. Oh le lag. Oh le lag de ces morts. Au secours. Par contre, il y a plus une visibilité correcte, ça fait un bien fou. Ou pas. Bon. Oui, j'ai loupé mon virage. Je sais. Parfait. J'ai même pas eu un posé sur l'île, j'ai juste eu à m'encastrer sur l'île. Puis je peux repartir. Parfait. Le créneau raté qui est réussi. C'était pas beau ça, c'était pas prévu. J'ai pas fouillé, j'ai enfin compris le principe. C'est de la merde, mais j'ai compris. Je prends le vaisseau, il va tirer une de ses gueules à la fin. De boue, j'ai plus de boulet de canon, j'ai plus. Oh, secours, saloperie. Oh, l'aigle de ses morts, l'aigle de ses morts. Bonjour les morts. Bon, on va essayer. Je peux même pas débrancher le wifi, y'a rien qui marche, c'est une horreur. Une horreur. Quoi, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est du coup? Mon perroquet me fait peur. Ah oui, une fois, il s'est passé un truc qui était très fun. Ça servait à rien, quoi. Le bazar de Brian. J'ai pas envie de m'encastrer sur son bazar, mais ça arrive à droite. Il s'est passé un truc, en fait. J'ai eu un gros lag. Mais gros pic de lag déconnexion. Le bateau est parti en roue arrière. Il m'a fait une roue arrière. Il s'est retourné. Il a coulé. Et j'ai tout vu. C'était tellement débile. Mais je regrette vraiment de pas avoir pu le filmer. J'ai pas eu le réflexe d'aller de suite sur OBS. Et OBS a été de loin à se lancer. Le vaisseau. Où il est? C'est l'île que je viens de quitter. Mais où est le vaisseau? Il était devant moi. Il est où? Je vais le ranger le pied à fumer une herbe. Merde, mais il était où? Où là? Attends. Demi-tour, c'est pas par là. Hein. On est d'accord, c'est pas par là. Faisons des cercles.
Cette brume, c'est une horreur. Là, je vois pas où je dois aller, je n'y vois rien. Je suis en galère. Putain, quand est-ce que ça va se lever? Parce qu'il y a rien en plus, il y a rien dans la brume. C'est juste chier. Il y a eu un mégalodon, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? J'étais même plus dans la brume. Pas de contraste, y'a rien. Terrible, hein, frustrant. On va jeter l'ancre. Je vais regarder sur le record vers où pointer le navire et je vais essayer de retrouver. Ça va pas être simple. Sachant que je venais du nord-nord-ouest. Je vous dis à tout de suite. Donc là je ne dirai qu'une seule chose. Merci Google, merci. Je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est Sea of Thieves France. Parce qu'il faut que j'aille sur Flintock Peninsule. Et ça, je pouvais pas le savoir. Clairement, j'avais aucun moyen de savoir que je devais aller sur Flintock Peninsule parce que je ne vois pas l'île. Ah, c'est une horreur. Ça, c'est une vraie horreur. La quête est super, la quête est bien foutue, elle est nickel. Bon, à part mes lags PC, mais bon, ça c'est classique. Hein. Enfin, pardon, pas lag PC, lag de connexion, je sais exactement. Puisque connexion SFR, voilà. Ça suffit. C'est sud-sud-ouest. Okay. Enfin, sud-ouest. J'ai un ping de merde. Je pense que je dois avoir un ping de 200 minimum. J'aurais jamais dû installer cette saleté. Je parle d'une télé connectée. Oui, pourquoi? Je ne sais pas, j'ai installé ça. Mais je l'ai trouvé joli et je voulais faire un beau cadeau. Et enfin, je me suis fait un beau cadeau, j'ai craqué. Télé connectée 140 cm 4K. Et je me suis trouvé un petit lecteur Blu-ray. Je me suis dit, Blu-ray 4K, il y a marqué Blu-ray 4K UHD. Et non, c'est pas de la vraie 4K, en fait, c'est un redimensionnement, c'est de la merde. Mais bon, la qualité est au présent, et il y a que sur Netflix, donc je m'en fous. Par contre, oui, si jamais un jour vous avez l'occasion de vous faire un petit cadeau, une petite télé 4K, j'avoue que ça fait du bien, vous redécouvrez des films, ou une grande télé tout simplement. Et si jamais vous cherchez une grande télé pas trop chère, pas OPSP ni rien, il n'y a aucune OPSP, c'est juste que j'ai acheté pas mal de choses chez eux dans l'ordinateur avec lequel je tourne, moi, Asus. C'est Back Market ou les sites de reconditionnement, c'est fumé. Enfin, fumé. Vous avez des super trucs pas chers en plus. Là, j'ai eu une télé qui vaut, je sais plus combien, une fortune, tire de prix. Parce qu'elle avait deux micro-érafleurs sur elle, et qu'il n'y avait pas c'était pas l'emballage d'origine. Ah, c'est génial. C'est cadeau ce genre de truc. Flintock Peninsule, ok, on y est. Par contre, il va falloir que je me gare bien, c'est pas gagné. Il panique dans des lieux improbables, lui. Faut que je me gare loin. Pas que je me gare bien, faut que je me gare loin. Pas pareil. Ah oui, et à partir d'une certaine heure, quand vous êtes sur Sea of Thieves, il n'y a plus personne sur le serveur. J'ai croisé 2-3 bateaux tout à l'heure et il n'y a plus personne. Enfin, je pense. Enfin, loin, pas loin de cette île. Ah non, pas ça que je voulais faire, parce que. Ça passe. Ça passe pas. Mais. Ah, t'y étais presque, Maurice, t'y étais presque. Par contre, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est une vraie question que je me pose sur Sea of Thieves. Le trou est situé à bâbord. On va aller voir à bâbord. Qu'est-ce qui touche? Absolument rien. C'est à tribord que ça touche. Et donc ça touche à tribord et le bateau prend à bâbord. Et donc là, selon le tuto, faut que j'aille ici. Ressort le tuto, on sait jamais. Ça peut être pratique. Non, je m'en fous en fait. Hop, merci. J'ai entendu les petits bruits, oui, je suis en train de chercher. J'avais le total.
Ok, là on a le dernier. Ok, je crois que je vois où c'est. Il faut que j'aille dans l'île. Oui, mais ça, je l'ai fait déjà. Oh, attends, c'est pas ça? Attends, parce que j'ai pas fait une connerie. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est une connerie. C'est bien une connerie. Ah tiens. Combien? 347, cool. Bon, bah, ramène cette merde. D'accord, en fait, je viens de comprendre. Ok, merci le tuto. Oh, il me sauve ce tuto. Mais pourquoi le bateau il est apparu? Je dois retourner sur l'île. Sur l'île où j'étais tout à l'heure, où je me suis encastré comme un débile. Pourquoi il y avait le bateau? Ah putain, d'accord. Donc c'est pour le troisième crâne. En fait, j'ai loupé le bateau, je suis passé largement à côté. Et donc le jeu me l'a montré. Dans le mauvais sens. Et effectivement, sur la vidéo, je me voyais aller vers le nord-nord-est. Et effectivement, c'était ça. C'était ça, il allait vers le nord-nord-est. Donc faut que je retourne sur l'île. Qui est au nord-nord-est. Qui est à Shaileba, Moltensen. Ok. Demi-tour. Encore, encore. Oh putain, en fait, Sea of Thieves, faut... Je vais être clair, Sea of Thieves, faut jouer avec un tuto. C'est pas jouable. J'adore ce jeu. Clairement, j'adore ce jeu. Il est magnifique, la mer est sublime. Mais il y a des fois où c'est pas... Ah, ça bouge, j'imagine. Oh, ça racle, ça va. Et surtout, si vous jouez à Sea of Thieves, prévoyez du temps. Moi, je suis presque à la fin de la quête, donc je vais la finir. Mais il faut vraiment prévoir 3-4 heures minimum. C'est pas un jeu pour casual. Faut prévoir. C'est un jeu où il faut vraiment avoir le temps. Il faut y aller à fond. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie d'y aller à fond, et merde. Faut pas jouer à Sea of Thieves. Je vais être clair, là je peux pas être... Va te faire foutre. Le jeu, va te faire foutre. Regardez-moi ça. Regardez-moi, il me nargue ce con. Mais non, mais de toute façon, faut que j'aille sur Orin. Faut que j'aille sur Orin Sand en fait. Enfin, je vais faire une coupure. Parce que là, ça m'intrigue, ça m'énerve. Ça m'énerve, je sais pas où je dois aller. Parce que j'ai le bateau qui est derrière moi, mais j'ai pas le bateau. Donc je comprends rien. Bah, on va chercher le bateau, on verra bien. C'est là, j'ai tout gagné. Ou alors je reste avec vous jusqu'à ce que je fasse ça. Si c'est pas là, je me casse. Si c'est pas là, je me casse pas du jeu, mais je vais sur l'île au nord-est et je reviens. Là, je comprends rien. Je suis perdu, j'en peux plus. Au secours. Le café a pas fait d'effet du tout. Je sais pas si j'ai fini. Oui, j'ai fini d'ailleurs. Non, je suis passé à quoi. Et heureusement qu'il n'y a plus la brume. C'est une horreur cette brume. Là, ça va aller mieux. De toute façon, là, ça va mieux. J'y suis. Oui, quoi? Qu'est-ce que t'as le pire? Tu te fous de ma gueule? Il se fout de ma gueule. Je vais te remettre dans ton néant, toi, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et là, le volcan entre en éruption, je meurs. ça m'arriverait. Non, au secours, le jeu. Okay, on est d'accord qu'il y a... un navire. Allons voir sur l'île. Il y a un navire, il y a la musique. Je suis pas trop loin, ça va, le perroquet me suit, tout va bien. Bonjour. D'accord, les scouts sont montés. Ok, c'est là. J'ai pas pris tout à fait l'entrée conventionnelle, on est d'accord. Salut. Aucun accès, pas depuis l'extérieur, en tout cas, attendez. Mais où il va ce con?
Merci Maurice. And Talbot. Merci mon pote. Ça y est, le passage est libre. On approche. Certainement. Je garde la lampe. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le régène au cas où. Ouah, les squelettes. Ah d'accord. En fait, c'est pas l'effet de la brume. Oh, il est beau le crâne. Cac. Caillou, je vous en prie, le capitaine. Je vais tellement me faire poutrer, moi. Aïe. Tellement prévisible. Vous ne voulez point quoi? Qui c'est, Lady? Vous ne voulez point? Pas vu. Oh, il y a des gens. Bonjour. Je vois de la musique. Chasseur de Christ, oula. Ouais, pas de gêner. Pas de gêner, bien plus fort que moi, on va se casser. Oui, on est mort, je veux une musique triste. La mort, qu'est-ce que c'est? Je reprends cette phrase du docteur Wu. La mort, c'est un peu la grippe pour les seigneurs du temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le principe. Donc, faut aller par ici. Chargeant. Ah oui, chargeant. Charger. Charge ça au cas où. Web. On est bon. Aïe yo. Et merde. Pas du tout par là, mais bon, ouais, j'ai réussi à monter. Ils ont pris le capitaine, aïe. Protéger les ossements, oui, non. Oups, fuis. Ils sont beaux, les squelettes sont magnifiques, par contre, les squelettes cendrés, ils sont sublimes. Allez. Ah, des chouettes, pas de joie. Allez, ça le bruit. Et meurt, tu peux mourir. Donc là, il faut que je reprenne le cracran. Un autre crâne, on fait une belle équipe. T'es où? Il est où, ce crâne? T'es où Maurice? Oui, on fait une belle équipe, oui, je suis d'accord, mais il faut que j'aille récupérer le crâne par contre. Salut Pompon, dragon. Nice. Intimid. Qui que ce soit, le dragon cendré a tout fait pour le faire disparaître. Reculez, je vais les libérer de leur jeu. La musique épique, trop bien. Bonjour monsieur.
Libre. Mais toutes ces années pris au piège de ma dépouille, trahi par mes congénères, oui, je veux dire. Rêvant de ce jour où je serai à nouveau libre de graver dans les vagues le sillon de mon nom, Capitaine Flamehurt. Voilà, je fais un peu plus vite. Je vous vois, modeste pirate, à qui je dois toute ma gratitude, motivé par votre pathétique pitié à mon égard. Votre sabre m'a libéré. Le dragon cendré n'a jamais été ma prison, seulement mon bûcher avec mes côtes de fidèles. Avec à mes côtés de fidèles équipiers. La traduction est pas mauvaise, hein. Je reconnais quelques mots. Le seigneur des cendres qui n'aspire qu'au combat s'éveilleront bientôt. On a vu retour là, tout va bien. Le monde est si faible. Des festivals, des alliances, des querelles pour de médiocres babioles. C'est indigne. Mais écoutez-moi, pirate, écoutez-moi, sirène, écoutez-moi, marin de Sea of Thieves. Je suis de retour et les flammes de ma vengeance vous consumeront. Et j'essaye en fait de faire la traduction pour ceux qui sont sur téléphone. Pour ceux qui sont sur... Consumeront tous, pardon. Pour ceux qui voient pas tous les sous-titres, et comme les sous-titres ne sont pas entiers, j'essaye de... Voilà. Ça va? Ça va le dragon? Qu'avons-nous fait? Oh oui, on a foutu la merde! Comme d'habitude. Fin d'histoire, nice. Oh nice. Nice. Et j'ai gagné quoi? 3000, c'est tout? Putain, l'arnaque. L'âme partance. L'épée des arbres reçus? Ah oui, vite, tout de suite. Attends, je suis sur la bonne île là. Ouais, c'est Flintock, bien sûr, je suis pas fou. Vite. Vite, change l'épée. Ça, c'est cool, ça, par contre. Ça, je suis d'accord. Là, l'épée des âmes, elle me plaît beaucoup. Bon, l'épave, j'ai rien à carrer. Et il faudra que je vois où je suis, où est le point. Là. D'ailleurs, tant qu'on y est, change un petit peu. Putain, il y a un merdier. Oui, vite. Ok, j'ai plus de quête, par Flintock, bien sûr. Ah non, c'est pas elle. Tout va bien. L'avant-poste. Morosby, bien sûr. Enfin, à gauche. Ok, cassons-nous et on actualisera tout, pardon, en arrivant. Enfin, sur la route. Donc là j'ai gagné 3000 et on va voir avec le peu de merdier que j'ai ramassé en fait si j'ai pas fait plus. Je pense que j'ai fait plus. Parce que là avec là j'ai 800, j'ai 1000, 1500. Ouais j'ai fait plus. En farmant au pif, j'ai fait plus que la 4, mais quelle arnaque. C'est l'arnaque. En plus je me suis fait chier. Une horreur. Sincèrement c'était... Le passage dans la brume était vraiment chiant. La quête est super classe par contre. Là sur la quête j'ai rien à dire, elle est magnifique. Ouais, ça passe. Coffre d'équipement. Ah non, voilà. Accessoire non plus. Ah oui, non, c'est là-bas. Ah bah ouais, mais là, c'est ça. Regardez-moi ce que là. C'est hyper beau tout ça. C'est magnifique. Très content de moi là par contre. Le seul vrai cadeau qu'il y a là-dedans, c'est l'épée des âmes. Je sais plus comment elle s'appelle, je regarderai. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. C'est bon. Ma carte brûle. Ma carte brûle. Mais saloperie. Tiens ma carte. Merci.
Non mais... Brûle ma carte. Carte, c'est pas un truc à brûler enfin. Oui, c'est fort monté. On va monter un peu la voile parce que je sais plus où l'entrée. Enfin l'entrée. Voilà. Et on aura fini. Je ne sais pas combien de temps va durer le montage complet. Parce que là en général quand un rendu. Enfin quand une vidéo me prend 2h, 3h à monter, ça me fait 1h30 de vidéo, 3h de rendu, 12 à 18 heures d'upload. Oui, connexion internet de merde. Et DaVinci Resolve. De temps en temps, enfin, ça dépend des PC, mais j'utilise la bêta de DaVinci Resolve, qui propose toutes les fonctions de base d'un logiciel de montage, d'un bon logiciel de montage. Il y a l'intégration, il y a tout. Vraiment, tout est intégré. C'est gratuit, mais c'est une version bêta. C'est le seul pseudo défaut. Et de temps en temps, il y a des trucs un peu étranges, comme par exemple là sur ce PC, ça lag. Bon, j'ai foiré un peu, je crois. Oui, j'ai totalement foiré. Bon, mettons tout là-dessus, on verra bien. Hein. Donc, j'ai deux coffres à 6 merdouilles. Je crois que ça se vend beaucoup à l'ordre des marchands, qui est pas loin. Un coffre de soie exotique, il doit avoir 400 ou 500. Ensuite, ici, j'ai un coffre avec 600 ou 800 à peu près. Non, j'ai fait du pognon. Que j'utilise pas, à part pour acheter des merdouilles de temps en temps. Clairement, après, je n'ai un peu rien à péter, à vrai dire. C'est bon, j'ai rien oublié. Il ne reste rien là-dedans. Mm-hmm. Ok, le tonneau. Tonneau de drogue. Ok, on est bon. À demain tout. Et c'est long. Ta-da-da-da. Talam. Talam. Ça va être long. Talam. Par contre, c'est vrai que ce skin de bateau, c'est le skin de l'Anniversary Update, je sais plus comment il s'appelle, il est magnifique. J'aime beaucoup ce skin. Ça lag, c'est n'importe quoi. Avance un tout petit peu. Allez. Allez. Un petit peu plus. Allez, un petit peu. Merci. Et merde. Il y a deux crânes cendrés en plus dedans, hein. C'est rentable. L'émeraude, ça se vend à n'importe qui, donc on s'en fout. Vendons-la à l'ordre des marchands, j'ai pas assez d'XP avec eux. C'est-à-dire que les quêtes, l'ordre des marchands, je me suis pas intéressé du tout. Parce qu'au début, c'était que des quêtes pour amener des cochons. Donc c'était hyper chiant. Ah oui, tiens. 618. Donc là, on est à 2100. Plus 10 en plus. Donc 3100 plus 10. Et je vais passer bientôt au niveau 30. Ça c'est cool par contre. Collectionneur de saphir de sirène. Ah d'accord, c'est ça.
3500, 3600, ouais, je compte pas les 50, je fais approximatif. Ouais, sinon c'est 3700, mais 3600 c'est bien. Là, je devrais être pas loin des 4000. Avec les deux petits trucs que j'ai là. Oui, oui, je sais, le coffre, je l'ai laissé là. Donc oui, j'ai effectivement vendu plus. 3600, on en était 4002. 4005. Donc, niveau rentabilité, la quête l'est pas réellement. Parce que là, on est à 4006. À plus 100, je comprends pas les dizaines. Par contre, au niveau skin, elle est rentable. Là, l'épée, elle est belle. Et je vais aller voir juste un truc, s'il n'y a pas... En haut, si en haut, ça s'est pas débloqué, ou si un truc s'est pas débloqué. 4006, c'est plutôt cool. Ah, j'ai moins d'XP chez eux. 4006, 4007, 5005. J'ai vendu un peu plus de 5000. Enfin, plus, j'ai vendu presque 6000, je pense, en comptant les arrondis. Donc, moi, ici, partout. Qu'est-ce que tu vends? Et après, on va faire ces dialogues vite fait. Ça, on verra plus tard. Là, j'ai débloqué rien du tout. Là, j'ai débloqué rien du tout. Oh, nice. Ah oui, les cendrés, ça c'est cool, ça fait plaisir ça. Mais ça coûte 100, 150, j'en ai 50. Loupé. Oh, il a canne à pêche. Oh, il y a des trucs. Oh, il y a des trucs, super. D'encre de Kraken. Oh, c'est beau, mais ça coûte cher. Oh, mais il y a mieux. Et donc ça, au passage, je vais vous le montrer, comment j'ai obtenu en fait les skins que j'ai là, le skin que j'ai sur le sloop. Si jamais vous ne le savez pas, c'est un truc qu'il y a dans le jeu, qui a été rajouté il y a un moment. Je fais ça aussi parce que c'est la fin de la vidéo et je pense qu'il n'y a plus personne. Donc en gros, il y a l'étage qui a été rempli il n'y a pas si longtemps que ça avec Maurice. Qu'est-ce que tu vends? Et donc vous avez les pièces anciennes. Et avec les pièces anciennes, vous avez le skin du navire de la chasseresse qui est très joli mais qui est un peu cher. C'est 2400, vous comptez, allez, 2400, 3500. Si on veut être honnête, avec les voiles ou un truc, 3500. 3500 c'est le minimum. Et voyons juste, je vais juste afficher ça. En espérant que ça foute pas le merdier, que ça affiche pas un truc que je veux pas. Sinon je couperai. En attendant que ça charge, donc on fait l'annonce de fin classique. Ah ben voilà, c'est bon. Donc faut compter 34 euros pour un navire. Et donc là, ça me coûterait que 22 euros, sachant qu'il me reste 1500. C'est pas un de 4200, vous avez un navire complet. Un skin de navire. Mais ça fait cher. Je l'avoue, ça fait cher. Mais j'ai craqué, j'en avais marre d'un petit skin dégueulasse. J'ai craqué, j'en ai pris deux. J'ai craqué, je vous l'avais dit. Ça, on verra une autre fois si je le change ou pas, ça va très bien. Attends, je suis très content, j'ai récupéré du merdier et le truc n'a pas de fond. Et là, cette épée, elle est magnifique. Sales for sale. Oui, donc n'oublie pas, d'ailleurs, voilà, on va faire l'annonce officielle de fin de vidéo, donc n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, tout ça. Et est-ce qu'ils sont pas ça, au cas où? Et pour finir, j'aimerais bien trouver un truc. Non, j'aimerais bien trouver un truc. Et mourir de manière très con, qu'est-ce que c'est que ça? Donc pouce bleu, commentaire, abonnement, comme d'habitude, Si vous voulez voir plus de vidéos Sea of Thieves sur la chaîne, il y en a. Il y a l'anniversary update, il y a les anciennes vidéos Sea of Thieves, je sais pas si elles sont triées par contre celle-là. J'espère. Parce que là, je les trierai clairement pas. C'est comme les vidéos Hearthstone, il en manque beaucoup dans la playlist. Je les trierai pas. Il y a 2000 vidéos sur la chaîne, enfin 1300 vidéos sur la chaîne. Pour trouver les vidéos de l'année dernière à Asenia. Ah, mais il m'en reste. Mais il m'en reste. Parfait. Et donc, on se met à un endroit totalement innocent. Oh, on se met sur son bateau. Ah ouais, sur le bateau. Ça a l'air d'être à lancer, donc on va se mettre sur le bateau. Ça fera une bonne fin. C'est pas la fin du navire qui coule avec la musique triste. C'est le pirate qui prend feu. Tadam. Et donc oui, je trouve que ça fait une bonne petite découverte après un épisode de 20 minutes. Ça compense.
donc, est-ce que je peux faire ça? Merde. Oh, le mât il prend feu. Tout le mât prend feu. J'en ai d'autres. Il brûle, il brûle. Et donc les gens, à la prochaine. Ça y est, c'était ma fin. J'ai fait cramer mon bateau. C'est tout. Je pensais en fait vraiment... Pourquoi la volée rouge? Je pensais vraiment lancer le truc en l'air et que ça atterrisse sur ma gueule, mais non, ça n'a pas marché. Ah mais il est toujours là, mais Maurice. Bonjour. Pourquoi t'es là encore? Bon. On va le laisser tranquille, on va le laisser en paix. Et moi je vais partir en paix aussi. Sortir dans le monde des meurs. Est-ce que ça marche ça? Ah rouge, d'accord, je suis brûlé dans le Devil Sword. Parfait. Allez, à la prochaine les gens. Pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça, tout ça. Bye. Ah oui, et au cas où, si jamais vous demandez, oui, mon bateau brûle, c'est tout. Il a pas coulé, mais il brûle.